Le troisième tour des qualifications avec Eva Serrano au ruban. Eva Serrano qui, après ses deux premiers engins, occupe la quatrième place du classement provisoire. On a vu quelques petites erreurs chez les filles qui sont devant elle. Et pour les juges, il est important de laisser la meilleure impression possible lors de ces qualifications. Exercice d'Eva, qui on se souvient s'était blessée à l'œil avec cet engin justement, il n'avait plus participé au championnat de France, elle avait préféré s'abstenir, elle a bien fait. Oui. Là, Amélie, je n'ai pas vu la moindre erreur. Non, exactement, elle a proposé son programme comme il faut, elle a très très bien travaillé, sans aucune petite erreur. Tout était très propre, ses équilibres, ses pirouettes, elle a bien fini tous ses mouvements. Vous voyez, la composition, elle l'a faite il y a à peu près un an avec son entraîneur Snežana Mladenova. Et tout est bien passé. Alors, si Kabaeva, qui occupe actuellement, après trois engins, la tête du classement semble intouchable, les places sur le podium, elles, en revanche, paraissent accessibles. Oui. 29,650 après trois engins. Ouais, elle a eu la note maximum là, au niveau de la valeur.